Bonjour les permaculteurs, les permacultrices, jardiniers, jardinières, me revoilà. Donc cet après-midi, semis de tomates, de petites graines de tomates. Là, je viens de préparer de la terre de compost avec la terre du jardin. Je vais remplir mes pots. Et puis après, on passera à l'intérieur de la serre pour la vidéo des petites graines. A tout de suite. Donc revoici... Dans la serre, j'ai préparé de la terre, plusieurs barquettes, et là je vais aller dans ce que j'ai fait l'année dernière, les petites graines que j'ai récupérées en tomates. Je vais choisir une sélection et je vous remontre après. A tout de suite. Donc voilà, je vais faire de la cœur de bœuf. Pareil, toujours des graines récupérées dans mon jardin l'année dernière. De l'ananas. Pareil, je ne connais pas l'origine, mais je sais qu'elle est très bonne. Une très grosse Odessa de chez Coco. Hein, Coco Pelli, pour ceux qui le connaissent. Une olivette orange, mais jaune, mais qui est pareil. Je ne connais pas le nom des graines qu'on m'a données, mais qui ont très bien poussé. Je la récupère. Encore de la grosse rouge de l'Odessa de chez Coco, mais la taille en dessous. Et puis, ce sera tout pour le moment. On verra après si j'en fais d'autres ou pas. Je me prépare. Alors aussi, ce que je fais en courant d'année, c'est de récupérer des morceaux de cagette, le plus bel possible, hein, on a le choix, pour pouvoir marquer mes plants. Après, j'ai juste à écrire dessus le jour, exactement ce que je lui mets, et à quel moment où j'en suis là. Pour celle-ci, j'en serai à la troisième année. Troisième année de récolte dans mon jardin, celle-ci l'ananas, ça sera ma deuxième année, c'est-à-dire celle-ci. Donc ça me permet de pouvoir mieux suivre les plantations et voir celles qui vont et qui ne vont pas dans mon jardin. Donc là, je ne sais pas si vous les voyez, les petites graines. J'en ai posé plusieurs au-dessus de chaque pot. Je vais recouvrir de terre et on laissera faire comme ça. Voilà, c'était pour quelques graines de tomates. Et on se retrouve dans quelques temps pour des petits pois mange-tout. Allez, à bientôt!